camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire. Non, mes chers frères et sœurs, aujourd'hui c'était la bagarre. Quand on dit la guerre, à Pobri. Non, les policiers, les dramas, quoi, trompent. Ok, vous n'avez pas honte? À Palo même est où même pas? À Palo est où? Kouyaté est où même pas? C'est pas vous qui disiez, quand ça a commencé, quand ça... mais vous avez fui pour laisser votre véhicule? Vous avez fui pour laisser votre véhicule? Ils ont mis là! Les policiers, les dramas, frère, ils ont levé les chaussures. Attrapez pied drastique, attrapez pied gauche, frère. Hein? Poli, mais vous allez où? Frère, ils ont mis dedans. Non, les jeunes du bateau là, parti sans canard. Chatara, mon ami Chatara. Mais les policiers de Draman l'ont mis dedans. C'est ce qu'ils disaient aux jeunes à Bobo. J'ai dit ça aux jeunes de. Comment on appelle ça? Comment si? Il a dit ça aux jeunes à Djamé. Résister, résister, résister. Voilà, non seulement ils n'ont pas pu casser abattoir, non seulement ils n'ont pas pu casser, mais frère, abattoir dit qu'ils rentrent en grève. Les vendeurs de viande disent qu'ils rentrent en grève. Donc actuellement, la Bakoko est traumatisée. Il est traumatisé. Comment? Les gars vont venir dans votre dignité, casser vos maisons, vous mettre dehors. C'est-à-dire que, mais comment? Mais comment? On peut avoir faim. C'est-à-dire que toi-même, tu peux avoir faim dehors. Tu peux être, c'est-à-dire que tu as faim. C'est-à-dire que ça ne va pas. Tu es mélangé. Mais quand tu rentres chez toi, et puis tu es chez toi où tu dormis là, quand même, ça t'apaise. Ça t'apaise un peu. Parce que tu sors, tu sais où tu vas rentrer, tu as un repère. Mais toi, tu n'as plus de repère. Tu es là pour errer. Mais tu n'as plus de dignité, tes enfants sont ici, tes petits-enfants sont là-bas, ta femme est partie là-bas, ton petit. Mais c'est gâté. Frère, non, les jeunes de Batois, c'est des 10. Ils ont chassé la prise de Draman. Ils ont brûlé les bus, brûlé les machines. Machines qu'ils ont pris, que Draman Ouattara avait pris pour casser là. Ils ont brûlé ça. Deux machines brûlées. Des bus brûlés. Je vais vous montrer les choses. Je vais vous montrer les choses, les camarades de l'Afrique. Je vais vous montrer. Parce que les RDR, même quand tu dis à RDR, quand un homme a faim, il doit manger. Il doit manger, et voilà, il faut prouver. On prouve ici, chers camarades d'Afrique. Suivez avec moi cette vidéo. Abattonnez. Tiens. Non, c'est plus ça, c'est plus là-bas, c'est plus là. C'est plus là, c'est plus là. C'est plus là. Ça, c'est les machines qui viennent casser, c'est ceux qui sont les plus bons. Voilà l'autre machine derrière là-bas. Tu vois, il y a plus de feu aux deux machines là. Ouais. Ils ont pris deux machines. Ça, c'est rien d'abord. J'ai toutes les vidéos ici. Il y a des vidéos que je n'ai pas encore. Envoyez-moi tout ici, là. Envoyez-moi toutes les vidéos, toutes les images. Tout ce que vous pouvez avoir, envoyez-moi tout. Ouais, la bagarre, même. Ouais. Ouais, les jeunes, non? Il y a des policiers, des dramans. C'est des plaisanteurs. Les petits qu'on a envoyé par la des cigarettes pour nous. C'est qui sont devenus policiers aujourd'hui? Les petits plaisanteurs qui crient un peu, ils fuient là. C'est qui sont des policiers. Ils se rappellent quoi? Les enfants là, nous ont chassés aujourd'hui. Un caillou. Un caillou. Comment? Ouais, donc. Les voici ici. Ah, voici la bagarre. Viens, c'est la bagarre. Ah, c'est un groupe là-bas. Voilà. J'ai un camarade d'âme, ça c'est rien d'abord. Allez, voici le police. C'est voici le police qui est là. Ouais, voici le police, vraiment, ils sont en train de taper, taper. Ouais. Drogue d'agrément, maintenant, suffit, c'est ça. Voilà. Ils ont colonisé, pas oui. Ah, ils ont roulé le bus. Ils ont roulé le bus. Eh, si c'est moi, je suis le chauffeur de bus, il y a longtemps, il est là. Les enfants, ils sont vénères. Ils sont nerveux. Ils sont nerveux. Mais comment? Bus, là, ils ont mis feu dedans. Hein? Ils ont mis feu dans le bus. Feu dans tout. Et puis, ils ont mis grève. Ils sont en grève, mais dessus. Ils vont plus vendre. L'abattoir de pauvres ne vend plus viande à quelqu'un dans le pays là. Ils sont en grève, mais dessus. C'est ça qui est la vérité. Chers camarades d'Afrique. Quand on vous parle, il faut croire. Policier de Draman qui n'a même pas âme. Il n'a pas âme. C'est matraque, un bouclier. Et puis c'est fini. Mais quand les enfants envoient les cailloux, pip, pip, lance-pierre, pip, pip, frère, quand ils ont vu ça, vient.
ça vient, ça vient, ça vient. Et puis il charge gaz lacrymogène. Puis boum. Parce que depuis 13 heures, on m'a alerté, on dit ça tire à pas brûler. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Donc, on était dans mes mouvements et tout. Donc, après, il voit, on dit, ça brûle. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Donc, il voit les prêts. Ah, c'est pas comment qui est là-bas. Il y a, c'est que putain, déjà. Frère, ils ont envoyé des pierres. Ils ont envoyé. Oh, ils ont mis Molotov dedans. Ils ont mis Molotov dedans. T'entends, fiu, pou. Ils ont fait fiu, pou. L'impression, mais dedans. Ils ont mis dedans. Ils avaient un dernier cargo qui était gardé en haut là-bas. Là. Oh, ceux qui étaient dans ce véhicule là-haut, ils sont rentrés dans le cargo, là, ils ont mis dedans. Mais ils ont tiré gaz à Kimoya, c'est fini. Ils n'en ont plus. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Les jeunes arrivent. Ils ont mis dedans. Ils ont fraya. Donc, alors que les jeunes, ils m'avaient dit ça. Ils m'ont dit, Vébé, si quand ils vont arriver à Pobre là, tu as entendu son. Moi-même, c'est sûr, Bracodi, je comptais. Il dit, Bracodi va, je roule. Ah, Bracodi même. Pobre là, vraiment, les enfants là parlaient, ben, je ne croyais pas. Mais vrai, là, ils ont assuré. Vous êtes des 10. Où est celui-là? Il vient de Pobre, il vient de Pobre maintenant. Ouais. Non, les jeunes enfants, ils sont pas des pauvres maintenant. Non, vous et moi ensemble, vous êtes les 10. Comment? Faire reculer la police et drama Ouattara. Mais c'est pas eux qui ont dit qu'ils sont armés jusqu'au dents, que la police est, que l'armée de Ouattara monte en puissance. C'est ça, c'est puissance qu'elle a. Puissance même étonnée. C'est ça qu'on appelle des résistants. Comment? Des gens sont en train de vendre, ils sont en train de faire leur commerce. C'est dans ça qu'ils se nourrissent. C'est dans ça qu'ils nourrissent leurs parents. C'est dans ça qu'ils nourrissent leur famille. C'est dans ça qu'ils nourrissent leurs enfants. C'est dans ça que ça, ils s'occupent de leur famille. C'est dans ça qu'ils payent les études de leurs enfants. Et toi, tu vas venir, tu vas venir détruire ça pour rien. Et puis, tu n'as pas quoi dédommager. Tu n'as pas quoi indemniser. Tu n'as pas quoi reloger. Tu vas venir casser ça. Et puis, on va voir. Tu as cassé. Et puis, tu as dit, on va voir ça après. Mais ceux de Jesco, là, ils n'ont pas encore fini de voir. Les gens Jesco, même 2014-2015, ceux qui ont été déguerpis. À Djoufou, etc., qui sont allés dormir au cimetière. Eux, là, ils ont déjà vu pour eux. Ils n'ont pas encore vu pour eux. Maintenant, ils vont venir voir pour Batoua. Non, mais quand même. Non. Il faut que les gens de Popoué se réveillent. Il faut résister, les gars. On est avec vous nuit et jour. Il faut résister. Je vous le dis, en toute sincérité, moi, je vous le dis, en toute franchise, à visage découvert, Mondial Vision, je le dis. Résistez! Parce qu'on ne peut pas venir vous frapper dans votre intimité comme ça. C'est que vous anéantissez du jour au lendemain. Comment? Mais les enfants là, ils vont aller dormir où? Ceux qui se nourrissent des activités de vente des viandes et tout, qui dépendent de l'abattoir, de pauvre. Mais eux, ils vont faire comment? Ils vont vivre comment? Hein? Ils vont vivre comment? Ils ne pensent pas à ça. Ils pensent pas à ça. Il faut détruire pour détruire. Pourquoi? Chers camarades peu d'Afrique, en tout cas, je salue votre détermination, je salue votre bravoure, je salue votre courage, et je loue votre courage. Et dites-vous que moi, je suis avec vous. Je suis avec vous aujourd'hui, je suis avec vous demain. Continuez, faut pas que quelqu'un vienne vous effrayer ici, là. Résistez. Les machines, là, quand ils envoient, mettez feu dedans. Et puis avancez. Tant que vous n'avez pas été indemnisé, tant que vous n'avez pas été logé, tant qu'on ne vous a pas encore dédommagé, résistez. Résistez. Je vous appelle à la résistance. Oui, oui. Et ça y va de même pour les autres quartiers qui sont menacés de dégabissement. Vous avez vu l'exemple, non? C'est pas vous là qui est l'exemple, papa. On ne peut pas venir détruire les gens comme ça. C'est trop facile, ça. Oufou, il l'a pas fait. Gueye l'a pas fait. Bédi l'a pas fait. Gueye l'a pas fait. Babo l'a pas fait, c'est pas toi Ouattara qui avait détruit les Ivoiriens. Même si tu n'es pas Ivoirien. Même si tu viens de Sindou. Vous avez vu Sindou? Sindou est la plus belle ville de Burkina Faso. Sindou là. De la manière dont Ouattara a rayé Sindou. Les gens ne payent pas courant là-bas. Ils ne payent pas l'eau. Ils ne payent pas maison. Il a arrangé Sindou. Sindou, tout est gratuit là-bas. Il prend tout en charge. Il vole l'argent des Ivoiriens pour aller entretenir Sindou. Mais même si tu vois l'argent des Ivoiriens pour aller entretenir Sindou, on n'est pas jaloux de ça. Mais quand même. Il faut nous laisser vivre. Il faut nous laisser manger. Il faut nous laisser respirer. Hein? Et si les Ivoiriens ne respirent pas, dans quelques mois, dans Ouattara va facturer même l'air que les Ivoiriens respirent. Il va facturer ça. Donc, chers camarades, je vous dis et je vous répète,
Soyez mobilisés. Mobilisez vos commerces sur l'homme. Ne vous laissez pas distraire par qui que ce soit. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, soyez salués. Soyez salués et on est ensemble. Voilà. Donc, partagez au maximum la vidéo. Et je reviendrai encore s'il y a d'autres informations. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les plans panafricains. Babo, président de la Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah. On est ensemble, les gars. Merci.